J'en ai vu de toutes les couleurs depuis que je suis détective. Mais je ne m'étais encore jamais réveillé mort. Tout a commencé la semaine précédente, par une froide et humide journée de septembre à Ankh-Morpork, la ville la plus ancienne et la plus pervertie du disque monde. Mais, on en redemande. Je travaillais comme détective privé depuis un peu plus d'un mois. Et les affaires n'étaient pas mirobolantes. Pour louer les services d'un détective, il fallait de la confiance. Et la quantité de confiance à Ankh-Morpork n'aurait pas rempli une tasse. Et je parle d'une petite tasse. Bien sûr, on vous fait confiance pour ne pas aller vous mettre le patricien à dos. On vous fait confiance pour ne pas marcher dans les rues des ombres seul la nuit. On fait confiance à la guilde des assassins pour respecter ses contrats ou rembourser le client le double du prix. Ouais, on fait même confiance à la mort. Mais ne leur demandez pas de faire confiance à leur mère. Monsieur Luton ? Si je suis pas là, virez le type qui a peint la porte tout de suite. Alors, ça ressemble à ça, un détective privé. Je m'attendais à quelqu'un de plus héroïque. Pour l'héroïsme, il faut compter un supplément. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle ? Madame, à vrai dire. Et je m'appelle Carlotta. D'accord, madame, à vrai dire. Va pour Carlotta. Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait dans les rues par une nuit comme ça ? Je veux louer vos services, monsieur Luton. Appelez-moi Luton. Monsieur, ça fait guinder. Combien prenez-vous pour une petite enquête ? Je sais pas. J'ai jamais fait de petite enquête. Pour une affaire compliquée, il faut compter 20 par jour. Je vous donnerai 200 d'avance plus les frais. Pour 200, je suppose que vous voulez le respect avec. Oh, il ne faut pas demander l'impossible à un type comme vous. En quoi consiste l'affaire ? Je veux que vous retrouviez un homme nommé Mundi. Pourquoi voulez-vous retrouver Mundi ? Vous le connaissez ? Non. Et l'affaire ira beaucoup plus vite si vous me laissez poser les questions. Vous aimez être aux commandes, n'est-ce pas, Luton ? Celui qui ne tire pas les ficelles est une marionnette. Racontez-moi pour Mundi et vous. Je suis une femme très seule, Luton. Vous me sidérez. Vous seriez surpris. Choqué peut-être, mais pas surpris.
Mundy est mon amant, Luton. Du moins, il l'était. Il est parti il y a quelque temps, à Tsort. Il est revenu à Ankh-Morpork il y a 2 jours, à bord du Milka. Mais il n'est pas venu me voir. Je crois qu'il me trompe. Vous vous demandez si mon mari est au courant? En fait, je me demandais si vous alliez me donner le pognon. Mon mari est décédé il y a déjà plusieurs années. J'espère que le pauvre type est parti avec le sourire. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez me dire qui m'aiderait à retrouver Mundy? Il a les yeux bleus, les cheveux bruns et le cœur noir. Il vous plairait. Est-ce qu'il a des amis à Ankh-Morpork? Vous en connaissez qui en ont? Quelle taille fait-il? Je ne sais pas. J'ai du mal à l'imaginer debout. Que faisait Mundy à Tsort? Je ne sais pas. Je ne lui posais jamais de questions sur ses affaires et il ne m'en parlait jamais. Relation très directe à ce que je vois. On ne pouvait pas faire plus simple. Où est-ce que je peux trouver le bateau qui l'a amené? Dans le quartier des quais. Vous y êtes allé? J'évite ce genre d'endroit. Les femmes et la mer. Oubliez ma question. Vous ne devriez pas venir dans ce quartier seul, Carlotta. Je sais m'occuper de moi. Je vous crois. Bien. La confiance est importante. J'ai dit que je vous croyais. J'ai jamais dit que je vous faisais confiance. Vous ne m'aimez donc pas, Luton? J'aime beaucoup de choses. J'aime les chiens. Mais je ne leur fais pas confiance. Ils risquent toujours de mordre. Je ne mords pas. Dommage. Ça fait très longtemps qu'on m'a pas mordu. Il vaut mieux que je mette mon nez dans cette affaire sans tarder. Où puis-je vous contacter? Je vous contacterai. À bientôt, Luton. J'espérais la revoir. Elle m'avait payé. Enfin, c'était pas tous les jours qu'une belle pépée me proposait une affaire. En toute franchise, c'était pas tous les jours qu'on me proposait une affaire. Et les 200 allaient m'aider à payer le loyer, s'il restait quelque chose après avoir payé mon ardoise au bar. Les quais sont dans les quartiers chics de la ville, dans la cité d'Ankh. Un voyageur avisé n'aurait jamais l'idée de débarquer au port de Morpork, de l'autre côté de la cité. Ceci dit, tout voyageur avisé essaie d'éviter l'ensemble d'Ankh-Morpork. Mais pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est pas facile à éviter. Un peu comme le palu. J'avais le pressentiment que les marins n'allaient pas m'apprendre grand-chose d'intéressant. Les marins étaient occupés à charger le bateau et je décidai de ne pas les déranger. C'est toi le premier officier? Hein? Larguez les amarres! Hissez les voiles! On recommence. C'est toi le premier officier? Ouais, par la grâce de Dieu. Tu comptes quand même pas que je te paye pour laisser tomber l'accent? Désolé, tu sais ce que c'est? Y'en a qui sont assez abrutis pour tomber dans le panneau. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'appareillage est prévu pour quand? Dès qu'on aura tout chargé à bord. Combien coûte le passage? Pour aller où? Je sais pas. Peut-être à Tsort? On en vient. On n'est pas prêt d'y retourner. Vous avez amené des passagers? Bien sûr. On essaie toujours de prendre un ou deux passagers à bord. Ils paient leur passage et en cas d'orage, ils sont très utiles. On les balance à la mer en sacrifice aux dieux en colère. Bien sûr, on explique toujours qu'ils sont passés par-dessus bord.
Et les passagers de votre dernier voyage, ils étaient comment? Il y en avait trois. L'un d'eux avait l'air normal, mais les deux autres... Je sais pas. Ils avaient quelque chose de bizarre. Ça vous arrive souvent de sacrifier des passagers? Non. Le capitaine aime pas ça. Il dit que c'est pas bon pour les affaires. J'ai dit qu'on faisait de la pub pour les croisières intéressantes de la mer circulaire. Mais il a fait remarquer qu'en général, on s'attend à une croisière sur l'eau. S'il m'avait laissé faire, on aurait passé quelques ans par-dessus bord au dernier voyage. Mauvais présage. La totalité de l'équipage a eu le bourdon dès l'appareillage. Quand on voit l'état du bateau, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'ils avaient de tellement bizarre, ces passagers? Je sais pas. L'un d'eux avait l'air... étranger. Je veux dire, plus étranger que la normale. Allez, bon voyage, si c'est possible. Je vais acheter une machine à café diablotin à planteur, je me tranche la gorge. L'homme dont le nom était à lui seul, une rupture de bail avec la maison qualité. Avec planteur, je me tranche la gorge, on pouvait dire bail à la qualité. Je le dis pour le missile ICBM. Cette machine faisait un café fort à vous éclater la tronche. Le problème, c'est que le diablotin avait tendance à utiliser la majorité des grains pour soulager sa propre dépendance. Certains jours, le pauvre diable était tellement nerveux que ses tremblements faisaient tomber la machine à café par terre. J'avais acheté un fichier pour répertorier toutes les affaires que j'allais traiter. Avec l'affaire Mundi, ça faisait deux. Le bois de poirier savant vient d'une plante au pouvoir magique tellement puissant qu'il est totalement imperméable à toute forme de magie. Il est tellement précieux que les voleurs s'égorgent pour le posséder. Je ne pouvais malheureusement pas m'offrir un bureau en bois de poirier. Alors je m'en étais fabriqué un en pin. C'est quand même un beau bureau. J'aurais eu un mal fou à déplacer le bureau, même si je l'avais voulu. Tout ce que j'avais à faire, c'était retrouver Mundi et prévenir Carlotta.
Rien de tel qu'une tasse de café diablotin pour me mettre sur les nerfs et me rendre parano. Le premier officier n'avait pas l'air de trop vouloir laisser monter les gens. Le premier officier n'était pas aussi hostile que je pensais, mais il n'était pas particulièrement aimable non plus. Toujours là? Pas pour longtemps, j'espère. L'appareillage est prévu pour quand? Dès qu'on aura tout chargé à bord. Combien coûte le passage? Pour aller où? Je sais pas. Peut-être à Tsort. Oh non, on est... Vous avez... Bien sûr, on est... Il... Bien sûr. Les caisses des quais étaient grandes, solides et de forme grossière. Une caisse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je ne savais pas ce que les caisses contenaient, mais franchement, je m'en foutais pas mal. La cargaison en partance n'allait pas m'apprendre grand-chose. Il fallait que je sache si Mundi avait apporté quelque chose avec lui. Tout le long du quai, il y avait des centaines de bollards pour que les bateaux puissent amarrer. Il y en avait beaucoup, des bollards. Le Milka était une vieille goélette, l'un des innombrables vieux rafiaux qui faisaient du commerce sur la mer circulaire. À le voir, ils auraient dû le couler il y a des années. Même les rats y réfléchissaient à deux fois avant d'embarquer. Toujours là? Pas pour... L'appareillage est prévu. Dès qu'on... Pour... Chez... Peut-être... On... Vous... Bien sûr... On... Il... Bien... Et les passagers de votre... Il y en avait... Le... Chez... Ils... Ça vous arrive souvent de... Non. Le capitaine... J'ai dit qu'on faisait... S'il m'avait laissé... Mauvais présent... La te... Quand on voit l'état... Qu'est-ce que vous savez sur Carlotta? Non, décidément, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'ils avaient de tel... Et je l'ai... J'ai réprimé mon envie de demander du pognon. J'avais pas un rond, mais j'étais pas désespéré à ce point-là. Le premier officier... Le Milka était une vieille... À le voir, même les rails...
Ça m'aurait servi à quoi, des bolards? C'est pas comme si je pouvais les bouger, en tout cas. Le premier... J'avais le pressentiment. Les caisses des quais étaient grandes, solides. Ouais! Sors de là! Comme les marins. Je n'aurais pas pu porter. Le premier. Toujours là. L'appareillage est. Des. Con. Pour. Chez. Peut-être. Oh non. On. Vous. Bien. On. Il. Bien. Ça vous arrive. Non. Si. Ma. La. Quand. Il est passé. Le. C'est le 1000K, c'est ça? C'est écrit sur la proue. Impossible de lire quoi que ce soit sur cette coque. C'est pas parce que tu sais pas lire que c'est pas écrit. La réalité est subjective, après tout. Joue pas aux existentialistes avec moi. C'était plus ontologique qu'existentiel. C'est vraiment une très mauvaise habitude que t'as là. Quoi donc? Oh! Désolé. J'ai chopé une mauvaise philosophie à Eiffel il y a 2 ans et depuis impossible de m'en débarrasser. Ça me colle au basque. Tout ce qu'il y a de plus sain et la minute d'après, je suis en train de me creuser le cerveau à savoir si oui ou non, on peut dire que tout existe. C'est un inconvénient quand on est censé naviguer. Ok. En admettant l'existence d'un univers objectif partagé, c'est bien le 1000K, ce bateau. Ouais. Je peux faire un tour à bord? Non. Vaut mieux que ce soit pas une objection philosophique bidon. Personne ne monte à bord sans l'autorisation du capitaine Jenkins. Et il est où, le capitaine? Je sais pas, mais tu peux essayer le café Hank. Il a ses habitudes là-bas quand il est à Ankh-Morpork. S'il existe, évidemment. Toujours là? Pop. Allez, bon voyage, si c'est possible.
whiskey knocked you flat, or if everything was a blur when you met her. All that you remember are the tunes of a vampire, a melancholy tune about impending doom. I'll fetch your tankard, fill it to the brim. A cask of stale, broken drum ale, wondering how long till you meet again on the bank of Big Bang. Too much to drink, you could barely even think. Too much bear hug. Je croyais t'avoir déjà dit de ne plus jamais jouer cette chanson. Désolé, monsieur Newton. C'est juste que je pensais pas vous voir ce soir et... Tu t'attendais pas à me voir. Ça ne fait qu'8 ans, Sam. Ça doit être ma mémoire qui me joue des tours. Je ne sais pas pourquoi Sam supporte mes humeurs. Il aurait pu me casser les os du corps un par un s'il avait voulu. Mais c'est sûrement ce qui le rendait irremplaçable. Il était capable d'encaisser toutes sortes d'abus de la clientèle et de rester impassible à son piano, à jouer comme personne dans tout Ankh-Morpork. Je décidais de ne pas déranger Sam en plein boulot. Salut, Chicard. Allô, Newton. Comment ça va? On a vu pire. Évidemment, on a aussi vu mieux. Et j'ai été bien mieux et pas trop pire ces derniers temps. Tant mieux, n'est-ce pas? Te fais pas de mouron. Si le commandant Vimer nous voit ensemble, je lui dirai que c'est moi qui t'ai obligé à me parler. Bon. C'est pas que je t'aime pas, Newton. Enfin, je veux dire, on est potes et tout ça. Mais, c'est juste que... C'est juste qu'il t'enverrait méchamment balader s'il te voyait me parler. Ça le foutrait en boule. Comment ça va, Chicard? Comment va le reste, Duguay? Pas trop mal, Newton. Je m'occupe. Je bosse avec le sergent Colon. Comment il va, ce bon gros Colon? Toujours aussi gros. Je lui dirai que je t'ai vu. Non, tu lui diras pas. D'accord, peut-être pas. J'essayais juste d'être banal. Poli. Ouais, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi t'avais pas été viré, toi aussi, Chicard. Moi? J'ai jamais rien fait de mal. Arrête ton char, Chicard. Quand tu servais comme intendant militaire de 3e classe, sous les ordres du duc Duguay des Orfèvres, tout le monde savait que plusieurs objets des magasins avait été retrouvé dans ton fourbi. J'étais clair, j'avais tous les papiers. Ton fourbi, à l'époque, c'était 2 entrepôts. Ce que je crois, c'est que Vimer, il avait une dent contre toi. Newton, je sais que t'es mon pote et tout, mais t'as pris un pot de vin. Tu veux me faire croire que toi, t'as jamais accepté de pot de vin? Jamais. Le jambon de l'antre à côte de Argar. Pièce à conviction. La montre de Gousset du suicide des ombres. C'était un souvenir de lui. L'argent de la caisse des dépenses courantes. Égaré par quelqu'un. Détourné par toi. J'ai jamais rien détéiné. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi tu t'en tirais malgré toutes tes petites arnaques et que moi, j'avais pas droit à la moindre erreur. Tu vois, Allez, crache le morceau, Chicard, je t'en voudrais pas. Bon, ce que je crois, c'est que Monsieur Vimer... Je crois qu'un peu d'arnaque fait de mal à personne. Remarque que j'ai jamais rien avoué. Rien n'a jamais été prouvé par rapport à d'autres trucs qui se passent en ville. Mais quelqu'un qui prend un pot de vin, ben, c'est un peu comme laisser les riches faire la loi. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Je sais, mais tu connais Vimer. Ouais, je le connais, Vimer. Et qu'est-ce qui devient, Vimer? Il s'est mis la corde au cou. Marié? Il a jamais été marié qu'avec son boulot. Non, il est allé jusqu'au bout. Il s'est marié dans la noblesse. Une vieille gueule de rat comme lui dans la noblesse? Oh, ça le foutrait en boule de t'entendre. Il fait un peu dans la noblesse maintenant. Quoi? Ils l'ont nommé commandant du guet. Et on a des nouveaux locaux sympas au guet des Orfèvres.
Ils sont pleins de peinture et de vases et d'un tas de trucs. Plein ? Enfin, peut-être pas aussi plein que quand on est arrivé, mais bien plein quand même. Il faudra que je passe un de ces jours. Ouais, ce serait bien. On est beaucoup plus nombreux au guet maintenant. Et on a une nouvelle cible pour jouer aux fléchettes. C'est la grande vie, hein ? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée pour moi de passer ? Enfin, ça va pas plaire à Vimer. Tu peux dire ce que tu veux, il respecte ton boulot. Je peux pas te promettre qu'il te recevra à bras ouverts, mais il t'arrêtera pas. Bon, allez, à plus tard, Chicard. Fais rien que je ferai pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Te fais pas piquer à faire des trucs que je ferai pas. C'est toi le capitaine Jenkins ? Ça dépend de qui le demande. Arrête de faire le mariole. J'ai juste quelques questions à te poser. Cette chanson te fout de sacré mauvais poil, on dirait. Si t'essaies de me faire sortir de mes gonds, t'as de grandes chances d'y arriver. Pas besoin de s'énerver. Ce qu'il faut, c'est boire plus et penser moins. Si je me mets à boire plus, je peux dire adieu à ma cervelle. Voilà ce qu'il nous faut. Alors c'est toi le capitaine du Milka. Malheureusement. Malheureusement ? D'ordinaire, je serais content d'être le capitaine d'un aussi beau bateau que le Milka. Mais depuis le dernier voyage, je vais peut-être me reconvertir dans l'agriculture. Voyage houleux ? Je préfère pas en parler. Qu'est-ce qu'il avait de si terrible, ce voyage ? Je te l'ai dit, je veux pas en parler. Des fois, ça fait du bien de parler de ces choses-là. Pourquoi ? Ça me ferait du bien d'en parler. D'accord. On va approcher le problème différemment. Je veux en parler, et plus tôt j'en aurai fini avec toi, plus tôt tu pourras retourner à ton verre. Si je suis ta logique, ma meilleure option, c'est de t'ignorer et de continuer à boire. J'ai jamais été très fort en logique. J'ai fait de l'économie intérieure à l'école. Je m'étais dit que tu me laisserais peut-être jeter un coup d'œil sur le Milka. Je m'étais dit que je me ferais suffisamment de pognon pour pouvoir me payer le Chantel, harem de danseuses exotiques. J'ai l'impression qu'on va tous les deux être déçus. Comment je peux te persuader de me laisser monter sur ton bateau ? Comment je peux te persuader de foutre le camp ? Il y avait 3 passagers au dernier voyage, c'est ça ? Mundi et 2 autres. Tu me l'apprends. T'as l'air d'en savoir plus que moi sur ce bateau. Je veux juste savoir ce dont tu te souviens. Je me souviens qu'on les a pris à Ekalpon. Et je sais que leur cargaison était lourde. Oh, et l'un était un homme et l'autre une femme. Je crois. Tu crois que c'était un homme ? Il y avait quelque chose de vraiment étranger. Je sais pas bien quoi exactement. C'est où, Ekalpon ? Là-haut, près du Moyeu. Un lieu abandonné des dieux. Tout ce qu'il y a à faire là-bas, c'est boire et becter des sandwichs sans eau. Ça a l'air loin de la mer circulaire. On s'est perdu, d'accord ? C'est facile de confondre port et tribord quand on a bu trop de Porto. Ils sont toujours à bord ? Non. On les a déposés à Ankh-Morpork. Et avant que tu me le demandes, non, j'ai aucune idée de ce qu'ils sont venus faire ici. Ça me regarde pas. Je commençais à me rendre compte que le capitaine Jenkins n'avait que 2 questions à poser à ses passagers. Vous allez où et combien d'argent vous avez ? Le Milka a l'air d'être un bon bateau. Tu connais rien en bateau, pas vrai ? Il a l'air de ce qu'il est, ni plus ni moins, un rafio bon à foutre en l'air. Est-ce que je pourrais quand même jeter un coup d'œil à bord ? Tout ce que je veux, c'est charger la cargaison et dégager de cette ville abandonnée des dieux. Pas besoin de fouineurs à bord de mon bateau. J'ai cru comprendre que tu transportais un type nommé Mundi sur ton bateau. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Je le cherche. Il te doit de l'oseille, c'est ça ? Non, c'est un vieux pote. Lui ? Tu dois croire que je suis aussi saoul que j'en ai l'air. Et alors ? Ok, peut-être que je le suis. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Où est-ce qu'il est passé ? Aucune idée. On l'a pris à de sortie il y a 2 semaines et on l'a amené ici. En gros, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir sur lui. Il a dit pourquoi il venait à Ankh-Morpork. Je crois qu'il a dit qu'il allait retrouver quelqu'un. Qui ?
J'ai déjà du mal à me souvenir de mon propre nom. C'est pas pour me souvenir d'un truc que j'ai vaguement entendu à travers une porte la semaine dernière. À la prochaine, capitaine. Salut, Newton. Ça rend... T'as entendu parler du Milka? Il est arrivé en ville il y a peu de temps. Combien de temps? 3 jours. C'est bizarre. Pourquoi? Eh ben, il y a eu toute une série de meurtres étranges depuis 3 jours. Qu'est-ce que tu veux dire par étrange? Je veux dire, on est bien en train de parler d'Ankh-Morpork. Je devrais pas discuter des détails avec un missile. Un civil, Shikar? T'as pas mal picolé, hein? Je suis aussi net que le jour de ma naissance. Ça donne à réfléchir. Puisque c'était cette personne qui m'avait mis au courant de ça, je me suis dit que ça ne servirait à rien d'y revenir. Qu'est-ce que vous savez sur Carlotta? Je vais pas me laisser entraîner dans quoi que ce soit quand je suis pas de permanence. Attends que je sois de retour au guet. Est-ce que vous savez quelque chose sur un certain Mundi? Je vais pas me laisser entraîner dans quoi que ce soit. Attends que... Je me suis dit que le golem ne s'apercevrait pas de la disparition du pied de biche. Je ne dis pas qu'il n'en avait pas besoin. Juste que je pourrais le piquer sans me faire prendre. Ça m'a pas trop plu d'être coincé dans cette caisse et d'être chargé à bord du bateau. Mais je pouvais imaginer des destins plus tragiques. Ou être coincé dans une caisse pleine de rats et être transporté sur le bateau. Comment tu t'appelles, petit? La cale était sombre et humide, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que je n'étais pas seul. Je tirais l'étiquette des débris. Il y avait quelque chose d'écrit dessus, mais impossible de le déchiffrer. En fouillant l'une des couchettes, j'ai trouvé un petit bout de carton. Ça aurait pu être n'importe quoi. Il y avait un chiffre au dos. Un 6 ou un 9. C'était difficile à dire. J'ai fouillé l'une des couchettes, mais je n'ai rien trouvé d'utile. Et rien qui me donne envie de trop me remuer les méninges. J'ai pensé à refouiller la couchette, espérant trouver autre chose. C'était une idée facile à laisser tomber. J'avais réussi à rester planqué dans le bateau, mais je savais que la chance allait tourner. Parce que ma veine m'avait lâché vers l'âge de 12 ans. Le premier officier n'avait pas l'air content, mais je ne crois pas qu'il ait pu voir qui j'étais au moment où j'ai plongé maladroitement dans la Hanque. Heureusement, le lit de la Hanque était douillet cette nuit-là, et j'ai évité de me blesser et de me faire découvrir.
J'avais seulement besoin de 2 bains au moins en rentrant, histoire de me sentir tout juste sale. Normalement, je passe mes nuits assis là, à attendre le client. Mais cette nuit-là, le client venait à moi. Le client et les embrouilles qui l'accompagnaient. Le client, d'accord. Et les embrouilles, c'était l'incruste. Et comme toutes les incrustes, c'était dur de s'en débarrasser. Souvent, dès le 3e jour, l'incruste portait déjà vos fringues et avait envahi votre salle de bain. Bonjour, monsieur Lewton. Je vous attendais. J'espère bien vous êtes dans mon bureau. Comment vous êtes entré? Par la porte. Elle n'était que verrouillée. Je sais tout des portes. Bien. Alors servez-vous de votre science pour sortir. J'ai un message pour vous, monsieur Lewton. Je ne prends pas de message des étrangers. Alors laissez-moi me présenter. Je m'appelle monsieur Al-Khali. Je ne prends pas de message de nains qui portent des noms de villes. Mon nom n'a pas d'importance. Vous aviez l'air de penser qu'il en avait. Je suis venu vous dire de ne pas toucher à l'affaire Mundi. Je m'en souviendrai. Maintenant, dehors. Si vous ne laissez pas tomber l'affaire Mundi, quelque chose de fâcheux risque de vous arriver. On est à Ankh-Morpork ici. Il peut m'arriver quelque chose de fâcheux n'importe quand, que je suive cette affaire ou pas. Alors soit vous dégagez, soit je vous fous dehors. Ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu, monsieur Lewton. Ne venez pas dire que je vous ai mal reçu, monsieur Al-Khali. Un nain qui portait le même nom que la ville klatchienne d'Al-Khali et des menaces. Cette affaire devenait de plus en plus intéressante. Tout ce dont on avait besoin, c'était d'un troll et d'un mort-vivant, et on pouvait lancer une comédie ethnique sur Broadway. Rebonjour, Chicard. Allô, Lewton. Je te dérange? Non, non. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ben, on dirait de la fumée qui te sort des cages à miel. Oh, ça, je bosse dur, tu sais. Tu bosses tellement dur que tes oreilles en prennent feu. T'affole pas, Chicard. Je vais pas te balancer. Je travaille, tu vois. Oh, bien sûr. J'en ai jamais douté. Qu'est-ce que vous savez sur Carlotta? Jamais entendu parler d'eux. Tu connais Al-Khali chez les nains? Jamais entendu parler de lui. Comment tu savais que c'était un mâle alors, hein? Tu vas pas me rouler comme ça. Tout le monde sait que les nains n'utilisent pas de pronom féminin. Ok, ok. Remarque, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait comme pronom. C'est l'un des merveilleux mystères de la nature, Chicard. C'est un truc qui plante, normalement? Je laisse ça à ton imagination galopante, Chicard. T'as entendu parler de passagers qui sont arrivés en ville par bateau il y a quelques jours? C'est un peu vague. T'es le caporal du guet. T'es supposé avoir l'esprit vif et inquisiteur. Ils ont ajouté ça au règlement après mon arrivée. Est-ce que vous savez quelque chose sur un certain Mundi? Jamais entendu parler d'eux. T'as appris quelque chose sur le Milka?
Pas exactement, non. Tu t'en es donné du mal pour cacher que tu savais presque rien, dis donc. Comment ça va, le boulot? Pas trop mal, Newton. Mais j'ai été très occupé, j'ai pas eu une minute pour souffler. Ouais, je vois ça. Mais nos meilleurs enquêteurs sont sur l'affaire 24 heures sur 24. Chicard. Ouais? T'en fais partie, toi, de ces meilleurs enquêteurs? Ouais. Pourquoi? Comme ça. Je demandais ça comme ça. Je te chaperai plus tard, Chicard. Le troll est sorti de l'ombre comme si la lumière était trop intimidée pour l'éclairer. Il avait l'air du genre discret. Et quelque chose me disait que si je faisais un pas de travers, je me retrouverais avec le râtelier dans le fond de la gorge. Il était capable de vous renvoyer la gorge au niveau du buffet et le buffet au niveau des guiboles. Mais j'espérais qu'on n'en arriverait pas là, sinon j'étais bon pour refaire ma garde-robe. Trouve Verma. Désolé, mon vieux, je te capte pas. Trouve Verma. Tu veux que je retrouve Verma? C'est ça. Alors, c'est ça. Quelqu'un? Quelque chose? Écoute, si tu veux qu'on discute, ça nous avancerait que tu parles un peu. Trouve Verma. Ok, ok, trouve Verma. Comment tu t'appelles, frangin? Il s'appelait Malakit. Il y avait quelque chose dans un troll de cette taille qui te donnait envie de l'appeler frangin. Trouve Verma. Faut trouver Verma. Je n'allais pas discuter avec un troll qui aurait pu m'arracher la tronche et s'en servir d'oignon de cocktail. D'accord, frangin. Qu'est-ce que tu peux me dire d'elle? T'as des idées sur l'endroit où il faudrait que je commence à chercher? Elle chantait au perroquet Octarine. Trouve Verma. Faut trouver Verma. Comment je peux te contacter? Trouve Verma. C'est tout ce qu'il a dit. Je suppose que la cervelle du bonhomme marchait au ralenti. Mais c'est vrai. On trouve des choses plus intelligentes sous des bûches humides que dans le citron des trolls. J'avais entendu parler du perroquet Octarine. À côté, les autres bouges avaient l'air de palaces. Tu parles d'une taupe. Je sentais les rats sur les murs. Bordel, je voyais des rats sur les murs. Il y en avait même qui avaient quitté les murs pour s'asseoir à table. Je peux t'aider? Tu pourrais me servir un verre. C'est quoi ton poison? Un whisky, sec. Avec un autre whisky pour faire descendre le premier. T'es pas venu ici pour boire, pas vrai? Je suis pas venu ici pour une conversation gazeuse, ça c'est sûr. La plupart des clients font quick, quick. Ça a l'air d'un bar sympa ici. Non, ça a pas l'air d'un bar sympa. Ça a l'air de ce que c'est, un taudis rempli d'ordures et de truands. C'est dur de maîtriser le sujet à fond. On pourrait mettre ça sur une enseigne dehors. Venez au perroquet Octarine, le taudis le plus minable, repère d'ordures et de truands de ce côté de la hanque. T'essaies de faire de l'humour? Pas que je sache. T'as l'air un peu nerveux. J'arrive pas à m'enlever de la tête que, tôt ou tard, quelqu'un va se faire couper le bras.
T'as toujours été le patron du perroquet ? Non. Avant, c'était un bar de trolls. J'ai repris l'affaire après les émeutes. T'as gardé le personnel ? Ouais, j'ai gardé tout ce qui voulait rester et qui n'avait pas été trop amoché pendant les émeutes. Mais voir un groupe de trolls en révolte, il y a beaucoup de gens que ça refroidit et qui veulent pas revenir. Ou qui peuvent pas. T'as gardé des chanteuses ? Juste Saphir. C'est pas souvent que je vois un barman mi-elfe. Bah dis-le franchement, c'est pas souvent que tu vois un barman mi-elfe. Ok. Gagné. C'est comment ? J'aime pas en parler. Je croyais que les elfes étaient supposés être irrésistibles pour qu'on leur pardonne tous leurs actes de cruauté. Comme les chats. Bon, je suis un elfe, d'accord. C'est le problème, n'est-ce pas ? Tout le monde peut voir que tu as du sang d'elfe, mais tu n'as aucun de leurs avantages. Tout ce que tu reçois, c'est les préjugés. J'aime pas ton style. Il est pas à vendre. Parle-moi un peu de Saphir. Pourquoi tu ne vas pas lui parler directement ? Mais la dérange pas quand elle bosse. Tu connais quelqu'un du nom de Verma ? Elle chantait ici. Avant que j'arrive, bah, Saphir saura peut-être. Elle connaissait toutes les chanteuses trolls d'avant que je reprenne le perroquet. À plus tard, Humanite. On peut parler ? On dirait bien. Bouge la bouche, agite la langue. Ouais, c'est ça, c'est bien. Je m'appelle Newton. Saphir. J'ai vu tout de suite que la troll Saphir pouvait se débrouiller comme une grande. Je savais qu'il allait falloir que je fasse attention où je mettais les pieds autour d'elle. Il y avait du chemin autour d'elle. Beaucoup de chemin et pas des plus agréables à regarder. Tu as entendu parler d'une chanteuse troll du nom de Verma ? Elle a bossé ici. Ah, une chanteuse troll du nom de Verma. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Oh, rien. Bien sûr que sa fille, elle la connaît. Tu sais où je peux la trouver ? Et c'est la morgue. Elle est canée. Sa baraque rue de la Suif s'est effondrée, il y a un bail maintenant. Nous, les trolls, on a beau être forts, on n'est pas indestructibles. Il paraît qu'elle s'entraînait à ses mouvements et qu'elle a renversé une poutre maîtresse. Elle s'est ramassée la baraque sur la tronche. C'est pour ça que Saphir, elle s'entraîne jamais. C'est la seule raison ? Ça, et que j'ai pas envie. Tu sais où elle est enterrée ? Saphir, elle sait pas. Mais je crois qu'elle a été enterrée sous son nom de scène. Madame Magnétite. Madame Magnétite ? Ouais, en hommage à son pouvoir de séduction. Ça fait longtemps que tu es chanteuse ici ? Assez longtemps. Assez longtemps pourquoi ? Assez longtemps pour avoir envie d'aller chanter ailleurs. Raconte-moi un peu ce que tu fais. Je peux te parler de moi en quatre mots. Grandes idées, petits résultats. Pourquoi es-tu devenue chanteuse ? Il n'y a pas beaucoup de boulot pour les trolls comme Mézig, et au moins celui-là, il est réglo. C'est important, l'honnêteté pour toi ? Pas plus que le reste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui compte pour toi en ce moment, Saphir. En plein dans le mille, Newton. Tu ne connaîtrais pas un gros troll du nom de Malakite par hasard ? Sûr. Le troll de Kekmo parce qu'on connaît quelques-uns. Tu sais où je peux le trouver ? Je l'ai pas vu depuis un bail. Mais va donc voir à l'atelier de Rodan. Y aller souvent.
C'est encore moi. Je vois ça. T'as déjà entendu parler d'une chanteuse troll nommée Madame Magnétite? Tu vas bien finir par en avoir marre que je te dise d'aller parler à Saphir. Tu connais un troll nommé Malakite? Grand, brusque et bouché dans tous les sens du terme. C'était peut-être un client du temps du bar de troll, mais je le connais pas si c'est le cas. C'est encore moi. Je vois. Ça me fait plaisir de te revoir. Le sang. Quel est le lien entre Malakite et Verma? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même. Eh, mais un conseil. Dis pas à Malakite que Verma est cané. Pourquoi? Tu voudrais quand même pas jouer les oiseaux de mauvaise augure avec un troll comme ça? Il peut toujours liquider le messager, tu sais. Il peut aussi le dévorer, le messager, chérie. Je ne savais pas que les trolls pouvaient digérer la chair humaine. C'est vrai. Ça les rend malades. Ça te rassure? Alors Verma s'est produite ici sous le nom de Madame Magnétite. T'es qui, toi? Le narrateur? Je te l'ai pas déjà dit. Tu as entendu parler d'une... Elle a bossé... Ah, une chanteuse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bien sûr. Tu sais... Et elle est... Ça... Il part... C'est pour... C'est la... Ça... Tu sais... Saphir et ses pas... Madame Magnétite... Bon, en nom... Il y a eu un paquet de meurtres étranges récemment. Ça m'étonne pas. Pourquoi? C'est pas les cinglés qui manquent dans cette ville. Qu'est-ce que vous savez sur Carlotta? Je connais du monde, mais je connais pas tout le monde, monsieur. Est-ce que vous savez quelque chose sur le Milka? Pose trop de questions et la frangine? Est-ce lasse? J'ai donné la description de Mundi à Saphir, dans l'espoir qu'elle se souviendrait de lui. Ça me dit rien, mon cœur. Et ça veut pas dire grand-chose. Des humains, on envoie à l'appel ici, et pour moi, ils se ressemblent tous. Ça fait longtemps que tu... As... Tu serais pas Rodan, par hasard. Ah,
Je le connais, celui-là. Je l'ai sur le bout de la langue. Prends ton temps. Oui. Oui, je crois que c'est moi, Rodan. Mais comment en être sûr? Ça me dépasse. J'avais un mot de ma mère le jour où ils ont fait philosophie à l'école. Tu dois concevoir la forme en profondeur. Pourquoi? Tu sais, je ne me souviens pas. Ça se voit. Qu'est-ce que t'en penses? Je fixais la statue sur laquelle ils travaillaient. Face à face avec l'art, on traîne les pieds et on s'excuse. On dit « je m'y connais pas beaucoup en art, mais je sais ce que j'aime ». Enfin, c'est ce que disent la plupart des gens. Je peux même pas dire que je sais ce que j'aime. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si on peut appliquer la même règle à l'art qu'aux chaussures, boissons et femmes en matière de goût. Je suppose que les gens n'aiment pas avoir l'air idiot. Personnellement, je pense que l'art est pour ceux qui étaient nuls en maths à l'école. Tu aimes? Eh bien, je m'y connais pas beaucoup en art. Je suis tellement lâche parfois. Alors comme ça, tu es sculpteur. Oui. Je crois bien que oui. Un truc dans le genre, en tout cas. J'ai comme l'impression que t'es pas très doué pour faire la conversation. Tu connais un troll du nom de Malakit? Malakit... Ça me dit quelque chose. Prends ton temps. Je crois qu'il travaille pour moi. Ou il a travaillé pour moi. Non, je crois qu'il travaille toujours pour moi. Regarde, il est là-bas. Malakit était le plus gros troll que j'avais jamais vu. Pardon. Malakit était la plus grosse chose vivante que j'avais jamais vue. Et peut-être aussi la plus abrutie. Bizarrement, il y avait un grappin par terre, près de Malakit. Le grappin n'aurait pas pu m'intéresser plus, même s'il avait eu « outil à complot » et écrit en gros dessus. Je sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que voler le grappin serait plus facile que de parler à Malakit. Ça ne l'était pas. Tu es un troll difficile à trouver, Malakit. Tu pourrais dire quelque chose. Ok, c'est moi qui vais parler. Bonjour. Allez. T'as déjà entendu parler d'une troll nommée Madame Magnétite? Madame Magnétite, c'est un nom que j'ai pas entendu depuis un bail. Alors tu la connais? Non, mais j'en ai entendu parler. Elle est morte dans une espèce de mise à l'aventure de construction. Une mésaventure, Chicard. Ouais, peu importe. Bref, si je me souviens bien, ils ont mis son corps dans le mausolée des Sélaciens. Je sais pas comment elle a pu finir dans une boîte aussi sélecte, mais c'est comme ça que je le sais. Ça paraît pas très plausible. C'est toi qui as demandé. Le mausolée de la famille Sélacien, niché dans l'un des quartiers huppés de la cité d'Ankh, était l'un des plus beaux bâtiments que j'avais jamais vus. Il n'était pas gardé, sûrement parce que, franchement, vu les liens des Sélaciens avec la guilde des assassins, aucune personne saine d'esprit n'aurait eu l'idée de froisser la famille Sélacien de quelque façon que ce soit. Non seulement ça ne se faisait pas, mais en plus... ça ne se survivait pas.
Le mausolée de la famille Sélassien était plein de tombeaux. Plus de chambres, annexes, caveaux, sépultures et catacombes que dans un dico des synonymes. J'ai essayé de trouver la tombe de Verma, mais c'était une vraie perte de temps. Il aurait fallu être expert en héraldique ou en généalogie pour se diriger dans le mausolée. Ce que je peux dire de l'aristocratie, c'est qu'ils gardent leurs morts bien archivés. Rebonjour. Allez. Tu sais quelque chose de plus sur les meurtres? Toujours rien. Mais nos meilleurs enquêteurs sont sur... Si. Ouais. T'en fais pas. Ouais. Pourquoi? Comme ça. Je suppose que t'as pas enquêté sur les passagers du Milka. Mais si! Désolé, mais t'es pas le plus... minutieux des enquêteurs. Je travaille aussi dur que n'importe lequel des hommes de mon rang. T'es le seul homme de ton rang. Il y a 3 nains, 2 trolls, 1 femme et 1 zombie dans le même rang que toi. Mais t'es le seul homme de sexe masculin. Je sais que t'es un être humain parce que tu te balades toujours avec un bout de papier signé par la sage-femme, pour le prouver. Quant au sexe masculin, je te crois sur parole. Tu veux que je t'aide ou pas? Qu'est-ce que tu sais? J'ai interrogé la passagère. Qu'est-ce que t'as appris? C'est des informations officielles du guet. T'as rien appris, hein? Pas exactement, non. Tu crois que je pourrais interroger cette passagère? J'y vois pas d'objection. Elle est au café Hank. Bon, c'est toujours ça. Merci. Je croyais t'avoir déjà dit de ne pas jouer. Ilsa, je croyais ne plus jamais la revoir. J'ai prié pour ne plus jamais la revoir. Mais soit les dieux ne m'ont pas écouté, soit ils se sont royalement foutus de ma tronche. Connaissant les dieux du disque monde, j'avais bien une idée. Rejoue-la-moi, Sam. Vous savez quoi? Personne ne croira jamais que vous venez de dire ça. Salut, Ilsa. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. C'est marrant, je me disais justement que ça faisait pas encore assez longtemps. Ça ne te fait pas plaisir de me voir? Bien sûr. Aussi plaisir qu'à une méduse qui prierait pour que la marée monte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je savais toujours exactement ce que je veux dire, je serais un génie. À l'époque, tu savais toujours quoi dire. Je sais toujours quoi dire. Mais je préfère éviter de le faire. Ça t'excite de me rabaisser, hein? Peut-être que je l'ai cherché. Ouais, prends pas ma place. Ça gâcherait le plaisir. As-tu rencontré un dénommé Mundi? Oui, il y avait un homme qui s'appelait Mundi sur le bateau. Et il nous a amenés ici. La plupart du temps, il était seul. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Il avait l'air anxieux. C'est tout? Je me souviens qu'il est allé dans la cale à un moment. Il avait l'air vraiment louche et il cachait quelque chose. C'est tout? C'est tout ce dont je me souviens. Je me suis dit qu'il valait mieux que je m'assure qu'Ilsa était bien sur le Milka avant de lui demander pour l'étiquette.
Alors, tu es arrivée à bord du Milka, c'est ça? Oui. Seule? Non, je suis venue avec un ami. Oh, je me doute. Quoi? Les femmes comme toi ne sont jamais seules. J'ai été seule. Tu sais rien de la solitude. Tu sais pas ce que c'est de pas savoir pourquoi on a été abandonné. Tu sais pas ce que c'est de voir ta carrière s'effondrer parce que la seule chose qui comptait pour toi t'a été enlevée. Tu sais pas ce que c'est de passer des années à entrer dans des restaurants et de demander une table pour une personne. Tu ne manges jamais au restaurant. D'accord. Mais si j'y mangeais, c'est ce que je demanderais. Pourquoi tu m'as demandé pour le Milka? Tu es monté à bord à Ekalpon, c'est ça? Avec un homme. Oui, il s'appelle Demaron. Comment l'as-tu su? C'est mon boulot de savoir. On t'a payé pour savoir où les gens embarquent? Non, je suis détective privé. Tu comprends ça? Oui, ça dit embarcadère numéro 5. Quelle langue? Agathéen. Comment se fait-il que tu connaisses une langue aussi rare? En fait, Demaron vient du continent Contrepoids. C'est lui qui me l'a dit. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de quitter l'Empire Agathéen. Oh, la situation s'est détendue depuis. À ta place, Ilsa, je ferai attention de ne pas trop parler de Demaron. Pourquoi? Les gens peuvent avoir des réactions bizarres face aux étrangers. Et il y a toujours eu des rumeurs sur l'Empire. On dit qu'ils utilisent de la magie très puissante là-bas. La dernière fois que l'un d'eux est arrivé ici, la ville a complètement brûlé. Demaron ne va pas incendier la ville? Je le sais, et tu le sais aussi. Mais l'homme moyen des rues ne le sait pas. Pour eux, l'inconnu est une menace. Pourquoi? Demaron ne ferait pas de mal à une mouche? Personne n'est aussi stupide. Laisse-moi te livrer un secret très bien gardé. Tu connais le degré de stupidité de l'homme moyen? Je crois, oui. Eh bien, statistiquement parlant, la moitié d'entre eux sont encore plus niais que ça. Je suppose que tu es le gardien de cet entrepôt. Wow! Bah t'es perspicace. La plupart des gens ne vont pas aussi loin dans le raisonnement. C'est vrai. Je pourrais être ici sur un embarcadère au milieu de nulle part pour plein de raisons différentes, mais toi, t'as tout de suite flairé que j'étais gardien. Bravo. C'est un sacré talent que t'as là. En général, il me faut plus de temps pour trouver quelqu'un antipathique. Laisse-moi deviner. Non seulement t'es le gardien de cet entrepôt, mais en plus, ça te plombe tellement que tu te défoules sur tout ce qui passe. Bien vu. Aussi vif qu'une crêpe. Qu'est-ce qui t'amène ici? La recherche. Je suis sur une enquête. T'es avec le guet? Non. Je suis à mon compte. Alors t'es un truand? On est à Ankh-Morpork ici. On est tous coupables de quelque chose. Pas moi. Aussi pur qu'une oie blanche. Ah ouais? Eh bien, tu viens tout juste de violer la loi du patricien sur les métaphores mal fondées. Quoi? Tu peux me prouver que t'es aussi pur qu'une oie? Oh, mais c'était pas une métaphore. C'était une comparaison. Parce que tu crois que le patricien va hésiter devant une défense aussi pédante? D'accord, touché. Thank you.
lucarne bien vissée sur le toit constituait une entrée alternative séduisante. Si le gardien n'avait pas été là, j'aurais sans doute pu passer par les portes. Vu les circonstances, il fallait que je trouve autre chose. Le mot avait été glissé sous ma porte par Carlotta. Lieutenant, il faut absolument que je vous voie et que je sache où en est notre affaire. Venez au manoir von Überwald, rue de l'étang lunaire. Carlotta von Überwald. Carlotta était donc une von Überwald, l'une des familles les plus riches et les plus secrètes d'Ankh-Morpork. Ça expliquait pourquoi elle pouvait me payer autant. Ça n'expliquait pas pourquoi elle n'était pas déjà venue me payer. Mais je pouvais attendre. Au moins jusqu'au prochain loyer. L'affaire Mundi sentait déjà le roussi. Mais quand j'ai appris que mon employeur était une von Überwald, ça ne m'a pas rassuré. Je ne savais pas grand-chose sur les von Überwald, mais les rumeurs me suffisaient. Je peux vous aider, messire. Tu pourrais me laisser entrer pour commencer. Très bien, messire. Et arrête de m'appeler messire. Comme messire voudra. Puis-je vous débarrasser de votre manteau et de votre chapeau, messire? Non, merci. Je me sens nu sans eux. Ce doit être difficile de les laver. C'était une blague. Je ne plaisante jamais, messire. Ça ne fait pas partie de mes responsabilités. Je peux mentir, feindre ou tromper, mais je ne plaisante jamais. Écoute, je veux pas que tu prennes mon manteau, d'accord? Mais bien sûr, messire. Messire peut dégouliner tant qu'il veut sur le parquet immaculé que j'ai passé plusieurs heures à cirer ce matin. Car messire est notre invité. Et messire est en droit de faire ce que messire désire. J'ai reçu une invitation de Carlotta. Oh, messire est aussi rapide pour aller droit au but quant à l'objet de sa visite qu'une tortue blessée qui traverserait un désert en temps de guerre. Je m'en vais chercher mademoiselle Carlotta pour messire. À condition que messire ait l'extrême obligeance d'attendre ici et de ne pas toucher aux meubles irremplaçables et de grande valeur qui ornent cette pièce, sur lesquels messire est actuellement en train de dégouliner d'ailleurs. Je vais voir ce que je peux faire.
Le bouquin était sur le lignage et l'héraldique de la noblesse dans la ville d'Ankh. Je n'y ai pas compris grand-chose, mais j'ai remarqué qu'il y avait des corrections manuscrites à l'intérieur. Je dois bien avouer que j'étais bouffé par l'envie, mais je n'allais pas piquer tout un escalier. L'escalier en bois avait quelque chose de vraiment impressionnant. Je crois que c'était le fait de me dire qu'il avait sûrement coûté plus cher que tout ce que je possédais rassemblé. Ce que je peux dire des von Überwald, c'est qu'ils avaient de la classe. À Ankh-Morpork, il n'y avait pas beaucoup de baraques qui avaient une fenêtre capable de vous couper le souffle. Enfin, peut-être à l'Université Invisible. J'avais entendu dire qu'ils avaient des fenêtres qui pouvaient littéralement vous couper le souffle. La peinture ressemblait comme deux gouttes d'eau à Carlotta. La duchesse Charlotte von Überwald, née Léopoldine. Mon prédécesseur, en quelque sorte. Oh, vous êtes duchesse. Non. Mais la ressemblance est impressionnante, n'est-ce pas? Mon mari a été frappé par cette ressemblance dès notre rencontre. Où est votre mari? Mon Ulrich bien-aimé a disparu lors de l'insurrection d'Überwald il y a de nombreuses années. Une affaire terrible d'ailleurs. Des paysans, des fourches, des torches enflammées, comme d'habitude en fait. Comme d'habitude? À Überwald, oui. Leurs coutumes peuvent paraître barbares, mais les choses ont toujours été comme ça. Je pense sincèrement que s'il n'y avait pas d'insurrection tous les 2 ou 3 ans, la noblesse serait très déçue. Mourir aux mains de la meute dans un château en feu, c'est quasiment traditionnel. Traditionnel pour vous, hein? Toujours dans le rôle du détective, hein, Luton? Même votre employeur n'est pas au-dessus de tout soupçon. Mon ancien patron avait l'habitude de dire que tout le monde est coupable de quelque chose. Et vous? Vous êtes coupable de quoi? La liste est trop longue, ma jolie. Mais rien qui puisse vous intéresser. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire sur Ulrich et vous? Vous croyez au coup de foudre, Luton? Ça fait gagner du temps, c'est sûr. Ulrich est tombé amoureux de moi au moment où nous nous sommes rencontrés. Je suppose que cette peinture a facilité les choses. Ne vous sous-estimez pas, vous avez quelques atouts bien à vous. Je suis sûr que c'était une transaction équitable. Vous pensez que je l'ai épousée pour l'argent?
Et alors? Laissez-moi vous dire quelque chose, Luton. J'ai été riche et j'ai été pauvre. Être riche, c'est mieux. Vous l'aimiez? Quelle importance? Ça en a pour moi. Peut-être bien que oui. Je suppose que ça dépend de ce qu'est l'amour. L'amour est un moment de faiblesse qui permet à un ou une autre de vous écraser comme jamais vous l'auriez imaginé possible. Les hommes ont reçu la force pour être brutaux avec les femmes, et les femmes ont reçu l'amour pour assouvir leur vengeance. C'était qui, Luton? Qui? Celle qui vous a laissé avec une aussi haute opinion des femmes. Ça devait être une sacrée fille. J'ai besoin de votre aide. Je ne suis pas farouche, Luton. Il vous suffit de demander. J'ai besoin de vos connaissances. J'ai besoin de trouver un tombeau dans le mausolée des Sélaciens. Mais je m'y connais pas assez en généalogie. Vous, si. Le mausolée des Sélaciens? Ça pourrait nous attirer des ennuis. Vous en faites pas. Je ne vais pas m'amuser avec les tombeaux. J'ai mieux à faire que de chatouiller une famille dont les liens avec la guilde des assassins remontent à sa fondation. Je veux juste voir si quelqu'un est enterré là-bas. Qui est le Maccabée? Une troll dénommée Verma. Une troll morte? On ne peut pas tellement faire plus raide, je suppose. Vous allez m'aider? Bien sûr. Bien que je ne sois pas habillée de circonstance pour aller visiter un mausolée. Ça ne vous ennuie pas d'attendre? Le temps que je me change. C'est pas comme si Verma allait partir d'une minute à l'autre. Si Messire n'est pas trop occupé, le maître de maison souhaite avoir un mot avec vous. Et si je suis trop occupé? Le maître de maison souhaite néanmoins avoir un mot avec vous. Et je me verrai dans l'obligeance de vous supplier. C'est tentant. J'ai bien dit supplier, Messire? Je voulais dire recourir à la violence. Dans ce cas, montre le chemin. Monsieur Luton, j'ai cru comprendre que ma belle-fille vous avait engagé pour enquêter sur une affaire. C'est exact. J'en déduis que vous allez devenir un visiteur régulier. Ça se pourrait bien. Savez-vous qui je suis? Je sais qu'on vous appelle le comte. Savez-vous pourquoi on m'appelle le comte? Parce que je suis comte. Le comte Henning von Oberwald. L'un des Blinds von Oberwald, devrais-je ajouter, car franchement, Oberwald comptait un nombre incalculable de comtes. Et je suis coincé à Ankh-Morpork. Pour le moment, car mon actuelle infirmité m'interdit de quitter cette pièce. Ça n'explique pas pourquoi vous vouliez me voir. Je souhaite savoir pourquoi ma belle-fille vous a engagé. C'est entre elle et moi. Non, monsieur Luton. J'ai bien peur que ça ne les soit pas. Voyez-vous, les mains de Carlotta ne tiennent pas les cordons de la bourse von Oberwald. Ce sont les miennes qui remplissent cette fondion. Vous êtes en train de me dire que je ne serai pas payé si je ne vous dis pas ce que je fais? Non, j'ai les 60 ans. Que vous soyez payé ou non, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je m'ennuie à mourir. Je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi. D'accord, je recherche quelqu'un pour elle. Quelqu'un qui a disparu? C'est exact. Un homme du nom de Mundi. Ah, je vois. Très bien. Si vous me tenez informé de la progression de l'affaire régulièrement, je m'assurerai de votre paiement. Vous avez dit que vous étiez obligé de rester dans la serre. Pourquoi? Je ne suis pas un homme bien portant, monsieur Luton.
Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre dans ce monde, ni même si le prochain monde m'acceptera. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette serre? À Ankh-Morpork, le climat est trop chaud et trop humide pour moi. J'ai fait construire la serre tout spécialement. Il fait plus frais que dans le reste de la demeure. Je règle la température qui me convient le mieux. Pourquoi si froid? Vous posez trop de questions. Je suis détective, c'est mon boulot. Eh bien, estimez-vous heureux que je trouve votre impertinence charmante. Sinon, j'aurais été forcé de vous apprendre une leçon. Dans votre état? Vous seriez surpris de voir tout ce que je peux faire dans mon état, Monsieur Liudon. Alors voyons. On recherche une troll du nom de Verma, c'est ça? D'après ce que je sais, oui. Mais elle est peut-être ici sous le nom de Madame Magnétite. D'accord. On peut éliminer le Fornix Sanguis Ceruleus. Comment? Le caveau du sang bleu. On peut sûrement éliminer le caveau des héroïques vétérans de guerre décapités et le caveau des animaux domestiques pur sang. Tu connais les relations de la troll avec la famille Célastien? Faut qu'il y en ait. Elle ne serait pas enterrée ici, sinon. Eh bien, j'en sais pas plus que toi sur le sujet. Il a fallu un certain temps à Carlotta, mais nous avons finalement trouvé une certaine Madame Magnétite dans le Fornix Famulus, le caveau des serviteurs. Je suppose qu'elle devait garder les sols nickel ou un truc dans le genre. Ça y est. Madame Magnétite. Il y a une inscription. Madame Magnétite, chanteuse et domestique de Lord Robert Célassien, arrachée aux siens lors de l'effondrement de sa maison. Les gravats retournent aux gravats. Vous parlez d'une épitaphe. Remarquez, je suis prêt à parier que c'est toujours mieux que l'épitaphe à laquelle j'aurai droit. Je finirai sûrement avec l'inscription du sac de ciment autour des pieds. Carlotta? Carlotta? Elle avait disparu sans un mot. J'avais du mal à cerner cette donzelle. Enfin, elle avait trouvé le tombeau, et je me demandais maintenant si, oui ou non, je devais prévenir Malakite. J'essayais de bouger la dalle, mais elle était bien trop lourde. Rebonjour, Malakite. Non, ne dis rien. Je sais à quel point tu adores parler, mais ça me ferait mal que tu fatigues ta si jolie voix. Je crois bien que j'ai trouvé le corps de Verma. Il est dans le mausolée de la famille Célassien. Besoin de voir le corps. Emmène-moi là-bas. Ok. Sympa de voir quelqu'un expédier la période de deuil aussi vite. On passe direct à l'acceptation. On gagne du temps comme ça. Je me demande pourquoi je me décarcasse des fois. On peut pas dire qu'il fasse attention à ce que je lui dis. Peut-être que ça nous aiderait si je le frappais avec quelque chose. Un truc genre... un immeuble bien lourd. Besoin de voir le corps. Bien sûr. Voilà le tombeau. Besoin de voir le corps. Eh, ça doit pas être beau à voir là-dedans. Je veux dire, elle a été écrasée sous une baraque. Ça vous déglinguerait même un troll. Besoin de voir le corps. Malakite a poussé la dalle comme s'il avait ouvert un pot de confiture. À l'intérieur, il y avait des gravats, qui selon moi devaient constituer le corps de Verma. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à voir. Les trolls, c'est de la pierre, rien de plus. Pas Verma. Continue de chercher. T'es cinglé? Comment tu le sais? Pas Verma. Continue de chercher. Je commençais à me demander si Malakite n'était pas fou.
S'il l'était, je pourrais au moins tourner la situation à mon avantage. D'accord, j'ai pas d'âme. Je dois être un salaud. D'accord, je continue de chercher. Mais j'ai un problème. Il y a ce bâtiment dans lequel j'ai besoin d'entrer, mais je peux pas. J'ai besoin d'un grappin. Un grappin comme le tien. Écoute, j'ai besoin de t'emprunter le grappin. Tu comprends? Je te donne mon crochet. Tu retrouves Verma. Marché conclu. Je pouvais pas m'empêcher de me demander ce que ça voulait dire si ce tas de gravats n'était pas Verma. Sa firme avait-elle menti? Ça m'aurait pas étonné. Franchement, j'étais plus étonné quand on me disait la vérité que quand on me racontait des salades. Les salades coulent comme de l'eau, mais la vérité brûle. Pas mal comme citation. Vaut mieux que je la note. Malakit m'a donné son grappin et a quitté le mausolée sans un mot de plus. J'examinais le corps de plus près, mais tout ce que je pouvais voir, c'était les dents de diamant de la trolle qui m'éblouissaient. Tous mes bons instincts se sont regroupés pour me dire de ne pas prendre de dents, mais je les ai ignorés. Entrer par effraction dans un entrepôt était plus facile que je pensais, mais faut dire que j'étais de nature pessimiste. C'était l'air d'Ankh-Morpork qui me faisait ça. Le peu de lumière de l'entrepôt venait de la lucarne. Tandis que je cherchais quelque chose qui pourrait élucider l'affaire, les ombres jouaient sur le mur. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais j'étais tellement désespéré que je me serais contenté de n'importe quoi. Le bout de carton que j'avais trouvé sur le Milka allait parfaitement avec la pochette d'allumettes déchirée. Sur la pochette d'allumettes reconstituée, il était clairement écrit 9 ruelle os de baleine. Tu sais ce que c'est? C'est une pochette d'allumettes. Tu
Tu sais pourquoi il y a l'adresse du perroquet écrite au dos? Je sais pas, rien à voir avec moi. Je savais qu'il cachait quelque chose. Restait à savoir comment j'allais pouvoir lui tirer les vers du nez. Je suis contre la violence gratuite. D'ailleurs, les petits secs comme ça peuvent être plus durs à cuire qu'ils en ont l'air. Tu sais ce que c'est? C'est une pochette d'allumettes. Tu sais pourquoi il y a l'adresse du perroquet écrite au dos? Je sais pas. Je sais. Restez à... Je suis... D'ailleurs, le proprio du bar était un... Heureux... C'est encore moi. Je vois. J'ai donné la description de Mundi. Il m'a dit que non. La pochette d'allumettes devait appartenir à Mundi. Et j'étais sûr qu'il se planquait ici. Alors comme ça, tu ne connais pas Mundi? Je t'ai déjà dit que non. Et cette pochette d'allumettes, elle te dit rien? Tu t'entraînes pour être aussi lourd? Ça m'étonne. Tu vois, c'est l'écriture de Mundi sur la pochette d'allumettes. Et ça, c'est ton adresse qu'il a écrite. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Je crois que j'ai pas trop le choix. Je crois que Mundi est ici. Mais il t'a demandé de ne dire à personne qu'il était là. Tu brodes au fur et à mesure. Je peux toujours aller en toucher un mot au gay. J'ai entendu dire qu'eux aussi, ils recherchaient Mundi. Et s'il est pas là, t'as pas à t'inquiéter de tomber pour recel de malfaiteurs. Il s'énerve tellement facilement. Mundi n'est pas en cavale. Comment tu le sais? Toi, espèce de... D'accord, t'as gagné. Il est en haut. Mais lui dis pas que je te l'ai dit, hein. Jamais j'oserais ruiner ta réputation chez les mondains. On avait bavé pour retrouver Mundi. Et maintenant que j'étais près du but, c'était comme une douche froide. J'avais du mal à distinguer ce que Mundi faisait quand je suis entré dans la pièce. Mais quelques secondes plus tard, c'était le trou noir. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, c'est le sol qui se précipitait pour venir à ma rencontre. Quand j'ai repris connaissance, le guet était déjà là. J'ai dû rester inconscient plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours. Je me disais que c'était impossible de se sentir aussi mal que moi. Jusqu'à ce que je voie Mundi. Ses pieds étaient ligotés et ses yeux avaient été arrachés. Soit il était mort d'une hémorragie, soit il avait laissé renverser une sacrée quantité de vin rouge. Il y a des jours où vaut mieux pas se lever, c'est clair. On se promène, Newton. Tu restes ici jusqu'à ce qu'on en ait fini avec toi. Tu sais où est mon bureau? Si tu veux une interview, tu sais où me trouver. T'es mon principal suspect dans cette enquête. Tu rigoles? J'ai jamais été aussi sérieux. Jamais? Qu'est-ce que tu veux? J'étais inconscient tout le long de l'incident. Ouais, c'est ce que tu dis. T'aurais pu abattre Mundi et t'assommer ensuite. Avec quoi? Ton mariage? T'étais sérieux à l'époque? Quoi? Oui, Shikar. Maintenant, la ferme. Tu peux m'expliquer la théorie? T'es entré, t'as mutilé Mundi et tu t'es assommé. C'est tout? Y a ta promotion aussi. Là, t'étais vraiment sérieux. Shikar, on a compris, merci. Et maintenant, la ferme. Comment je me serais assommé tout seul? Je sais pas encore. Mais t'es pas complètement abruti, Newton. T'aurais bien trouvé un moyen. Tu as des preuves contre moi? Ou est-ce que ça fait partie de ta campagne continue de représailles? C'est juste que vous êtes toujours tellement sérieux. T'étais présent au moment du meurtre. Ta corde a été utilisée lors du meurtre.
Ma corde. L'assassin me vole et d'un seul coup, je me retrouve accusé de meurtre. C'est pas méchant. Enfin, t'es le commandant du guet et c'est un boulot sérieux. Et puis, il y a le message de la victime. Asile ? Ça m'incrimine en quoi ? Ça finit par le. Il essayait peut-être d'écrire Lyuton. Il est peut-être mort avant de finir. Il aurait pu vouloir écrire lentille. Et Asie, c'est censé vouloir dire quoi ? J'essayais juste de rendre service. Asie peut très bien vouloir dire... c'était, dans la langue de Mundi. Asile peut très bien vouloir dire... au secours, quelqu'un m'a arraché les yeux. Ce sont que des suppositions. Il doit bien y avoir d'autres suspects. Le proprio dit que personne n'est monté après toi. Ça pourrait aussi bien être le proprio, pourquoi pas ? Humanite, c'est pas le genre. De toute façon, c'est lui qui nous a appelés. Écoute, t'as pas de preuves contre moi. Et si tu m'arrêtes pas, je mets les voiles. Je t'ai à l'œil, Lyuton. Estime-toi suspect pour tous les meurtres contre toi. Si t'es impliqué de quelque façon que ce soit, je le saurai. Et reste en ville, Lyuton. Il m'en veut vraiment, hein ? C'est pas le mauvais bougre, Lyuton. Il est juste un peu... Psychotique ? Obsédé ? Catégorique ? J'allais dire surmené, mais j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre contrepoids ? C'est strictement confidentiel. Je dirai rien à personne, à condition qu'on vienne pas me demander. Les meurtres ont tous plus ou moins... bizarres. Redualistes. Quoi ? Ils sont impliqués dans un renouveau des principes philosophiques sur la division de la réalité en deux forces indépendantes, esprit et matière ? Non, redualistes. C'est ce que font les cultes. Des reduels. Ritualistes. Je vois. Comme quelqu'un qui veut faire passer le message. Ouais, l'un des clercs du patricien est mort l'autre jour. Suspect. Pourquoi les meurtres contrepoids ? Je préfère pas en parler. Faut que j'y aille. À plus, Lyuton. À beaucoup plus, c'est ça.